En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Aussitôt, l'Esprit le chassa au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, vous êtes ici chez vous. C'est le Seigneur qui vous a appelé. Il vous a réservé une place, ici, aujourd'hui, afin que vous preniez soin de votre relation avec lui. En ce temps de carême, qui nous rappelle que Dieu est notre essentiel, nous recevons, nous aussi, cette parole. Tu es mon enfant bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Amen. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin, mais j'invoquais le nom du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur est clément et juste, notre Dieu est compatissant. Le Seigneur garde les naïfs, j'étais affaibli et il m'a sauvé. Moi, je retourne à mon repos, car le Seigneur m'a fait du bien. Thank you.
temps de carême, nous voulons prendre le temps de regarder en nous-mêmes et de te demander pardon. Pardon, car nous avons d'autres dieux que toi, Dieu de pouvoir, d'argent, d'orgueil. Dans notre humanité et malgré notre foi, nous cherchons en vain un sauveur humain, un homme providentiel pour nous libérer de notre misère et de nos peurs. Nous oublions que toi seul es notre salut, que tu es le seul à connaître parfaitement nos angoisses et nos espérances. Nous oublions que tu es notre Dieu. Pardon pour notre manque de jugement, pour notre envie de nous fondre dans la masse, alors que tu nous souhaites libres et différents. Libres de te choisir vraiment. Différents car la connaissance que nous avons de toi, Dieu d'amour, nous conduit en dehors des sentiers battus, sur le chemin radicalement différent de l'amour. Pardon, car nous ne prenons pas le temps de t'ouvrir la porte de notre cœur, afin que tu nous transformes. Nous tentons sans succès de changer par nos propres moyens, et ainsi, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, et ne faisons pas le bien que nous voudrions. Seigneur, entends notre prière, et viens à notre secours. Amen. Voici ce qu'il nous est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Seigneur, toi qui te tiens à la porte de notre cœur et qui ne cesse de frapper, toi qui attends que nous entrebâillions la porte afin de nous prendre dans tes bras pour nous consoler, toi qui nous pardonnes et qui espères toujours en nous, nous voulons de tout notre cœur te dire merci. Merci pour ta persévérance, pour la foi que tu places en nous et qui fait qu'à chaque fois que nous te le demandons sincèrement, tu nous offres ta grâce. Merci Seigneur pour ce pardon renouvelé, pour ta volonté si simple qui nous dit: reconnaissez que je suis le Seigneur, votre Dieu, celui qui vous aime, votre Créateur. Amen.
prions. Seigneur notre Dieu, fais descendre parmi nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous remplisse, qu'il chasse de notre cerveau toutes nos petites préoccupations qui nous empêchent d'être là pleinement, avec toi, avec les autres, en communion. Oui, fais descendre ton Esprit Saint afin que le texte que nous allons lire et la prédication qui s'en suivra fassent sens, nous permettent de nous poser les bonnes questions et de nous rediriger, si besoin, dans la bonne direction. Amen. Nous lirons dans l'Apocalypse 13 les versets 1 à 18. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Étonnée, toute la terre suivit la bête. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour calomnier son nom et sa demeure, ceux qui ont leur demeure au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête.
Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain, son chiffre est 666. Chapitre, car il s'agit du chapitre 13 dans son entier, de l'Apocalypse avec le groupe Partage biblique du Grésivaudan, dont vous allez commencer à avoir marre. Une personne nous a dit, en lisant ce truc, j'ai eu l'impression d'être dans un film d'horreur. Et on a tous explosé de rire parce que, très clairement, ce texte était terrifiant. Ce chapitre fait penser à un film d'horreur, plein de symboles compliqués, loin d'être accessible. Et j'ai donc beaucoup hésité à vous le partager ce matin. Puis il y a deux raisons qui m'ont poussée à le faire. La première, elle est très personnelle, c'est que je crois que l'on peut prêcher sur n'importe quel texte biblique et qu'un défi comme celui-ci, en tant que prédicateur, ça ne se refuse pas. La seconde, plus spirituelle, c'est que nous sommes en plein carême. Et je crois que le temps du carême est un temps réservé dans l'année pour que nous puissions faire le point sur la façon dont nous vivons et pour nous rapprocher de Dieu. Et pour moi, ce texte biblique nous pose plusieurs questions. Il nous dit en quoi, en qui croyons-nous ? En quoi, en qui voulons-nous croire ? Comment, par qui voulons-nous être sauvés ? Et en qui plaçons-nous notre confiance ? Et ces questions-là, je trouve, ont leur place dans le temps du carême. Je me suis donc lancée et j'ai construit ma prédication en deux parties. J'ai essayé de synthétiser, de faire le plus court possible, le plus clair possible, sans parler pendant une heure et demie. Mais va quand même falloir s'accrocher un peu. J'ai fait deux parties, une partie pour chaque bête. Une partie pour voir ce qu'une de ces bêtes signifiait, et puis une sous-partie pour voir en quoi ça nous parlait aujourd'hui. Je commence. Au début de ce chapitre, une bête terrifiante sort de la mer. Elle a 7 têtes, sur lesquelles un nom blasphématoire est inscrit. Sur ses têtes, il y a 10 cornes, et sur ses cornes, des diadèmes. Une de ses têtes est égorgée, mais cela ne l'a pas tuée. Son corps est une chimère, vous savez, ces êtres mythologiques composés de plein d'animaux différents. Et cette bête parle. Et elle parle pour dire des blasphèmes. Elle ne vient pas de nulle part.
c'est le dragon, qui vient du chapitre 12, qui lui a donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, le pouvoir de faire la guerre, d'insulter Dieu et de persécuter ceux qui croient. Alors, qu'est-ce que tous ces symboles, qu'est-ce que tout ce charabia peut bien signifier ? D'abord, les têtes. Les têtes, c'est le siège de la réflexion. C'est là où se prennent les décisions et donc c'est un symbole de commandement. Nous avons affaire à un chef, à quelqu'un ou à quelque chose qui veut diriger les autres de façon totale, j'ai envie de dire parfaite, puisqu'il n'y a pas une tête, mais sept, et que sept est le symbole de la totalité, de la perfection, qu'en général on attribue à Dieu. Les cornes. Alors ça, j'ai appris, je ne savais pas du tout. Dans la tradition du Moyen-Orient, d'après Jacques Ellul, les cornes symbolisent la puissance. Et puis les diadèmes ou les couronnes en fonction de la traduction que vous avez, ça c'est assez facile, c'est l'image de la royauté et donc d'un pouvoir politique. Cette bête, cet être assoiffé de pouvoir, vous l'aurez compris, elle n'est pas gentille. D'abord parce qu'il blasphème Dieu, il l'insulte, il s'oppose ouvertement à lui et à ceux qui le suivent. Ensuite, parce que son corps est une contre-création. Vous savez, dans la Genèse, Dieu crée les animaux et il dit « Cela est bon. Cela est bon tels qu'ils sont. » Or, la bête a pris un morceau de léopard, un morceau de lion, un morceau d'ours et a refait une autre création. Et c'est un peu comme si elle disait à Dieu « Ben non, ta création, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas bonne et moi je peux faire bien mieux. » Cette créature qui s'oppose à Dieu est donc mauvaise par essence dans son corps même. Nous l'avons entendu, cette créature ne vient pas de nulle part. C'est le dragon qui l'a appelée. Et ce dragon lui a donné un pouvoir pendant une durée déterminée, 42 mois. Alors, ce nombre aussi est symbolique, il ne s'agit pas de 42 mois, on n'est pas dans une temporalité en se disant, ah ben voilà, de mars de telle année à je ne sais pas quel mois de tel autre, et ben ça fera les 42 mois de l'action de la bête. Non, c'est un temps symbolique. Mais ce temps symbolique a une signification. Je ne sais pas si vous savez 42 mois ce que ça peut symboliser, à qui, à quoi ça fait référence. Non, c'est complexe au moment. Si vous trouvez, sauf s'il y en a qui se rappellent, parce qu'il y a des personnes du partage biblique qui sont là. 42 mois, c'est le temps que l'Église primitive attribue au ministère terrestre de Jésus. Jésus, selon l'Église primitive, a exercé son ministère pendant 42 mois. Et si vous vous amusez à lire le chapitre 11 de l'Apocalypse, je reviens encore un peu en arrière, on nous parle symboliquement du Christ qui exerce son ministère pendant 42 mois. Donc ici, l'auteur nous dit, vous vous rappelez ce qu'on a vu avant ? Et bien on en reparle différemment aujourd'hui pour dire autre chose. Et c'est ce qui me permet de poser l'hypothèse. Oh, il n'y a pas mon titre de prédication. Bon, alors j'avais choisi un titre, car à chaque fois on me demande un titre de prédication pour la chaîne YouTube. Et le titre que j'avais choisi, c'était l'anti-trinité. Mon hypothèse est donc que nous avons affaire. Voilà. Dans ce chapitre à une anti-trinité, une contre-trinité.
où la première bête prend la place de Jésus. Elle exerce son pouvoir pendant 42 mois comme Jésus. Elle est mortellement blessée, mais elle est guérie. Exactement, j'ai entendu résurrection. Cela nous fait penser à la résurrection du Christ. Elle est envoyée par quelqu'un, par le dragon, tout comme Jésus est envoyé par Dieu. Et donc, je continue le raisonnement, si la première bête se place en opposition avec Jésus, le dragon, lui, se place en opposition avec Dieu. Les deux créatures proposent aux êtres humains une autre façon de vivre, une autre façon de croire en étant loin de Dieu. Et ce qui m'a beaucoup surpris dans ce texte, c'est que contrairement au ministère de Jésus, le ministère de la première bête est couronné de succès. C'est une réussite totale. Toute la terre est admirative devant la résurrection de la bête, alors que très peu de monde ont cru à la résurrection de Jésus. Personne ne cherche à la faire taire, car sa puissance fait peur, elle craint. Qui peut faire la guerre à la bête? En termes de capacité, on est dans l'incapacité de faire la guerre à cette bête. Alors que la non-puissance de Jésus, c'était quand même pas très impressionnant. Ça dérangeait profondément et là, des personnes ont tenté de le faire taire. Les gens se prosternent devant la bête alors que peu l'ont fait devant Jésus. Et du coup, ça pose la question de la réaction de l'être humain dans sa généralité par rapport au pouvoir, par rapport à l'impuissance et par rapport au choix de vie que nous faisons. Avec le groupe du partage biblique, on s'est demandé ce que pouvait symboliser cette première bête. Et là, je tiens à le dire, à le redire, je le redirai toute ma vie, il n'y a jamais une interprétation bonne et unique des textes bibliques. Souvent, c'est ceci, mais aussi cela. Et aussi cela. Et les choses ne s'annulent pas. C'est pas des mathématiques, quoi. J'aime pas trop les mathématiques. Avec le groupe du partage biblique du Gris et Boudin, on s'est demandé ce que pouvait symboliser la première bête, et donc nous avons pensé à plusieurs choses qui peuvent s'accumuler, se compléter. Nous avons pensé au fantasme bien humain de l'homme providentiel. Vous savez, ce sauveur puissant qui unifie les habitants de la terre sous sa bannière. C'est un peu le rêve communiste. C'est un peu l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est un peu Donald Trump. C'est un peu plein de ces choses-là qui nous donnent tellement envie d'y croire. On se dit, oui, c'est possible. Quelqu'un peut venir nous sauver, un parti politique, une pensée, et unifier toute la terre. Nous avons pensé à ses disciples, aux disciples de Jésus, qui eux aussi, tout comme nous, attendent un Messie guerrier et roi, qui chasserait par les armes les Romains du pays. Nous avons entendu les paroles de Jacques Ellul qui pose l'hypothèse que cette bête représente le pouvoir politique dans sa globalité. Qui tombe mortellement blessé à chaque gros scandale, mais qui se relève toujours sous les applaudissements de la foule. Nous avons aussi pensé à la mondialisation. Il y a notre société de consommation qui veut nous montrer un chemin différent, qui veut nous faire croire que le vrai bonheur, c'est d'acheter des trucs,
dont on n'a pas besoin. Quitte à réduire certaines personnes à une situation proche de l'esclavage, pour que nous puissions avoir des produits peu chers, mais qui ne permettent pas aux personnes qui les construisent de se nourrir de leur travail. Toutes ces hypothèses nous ramènent à un point. Cette bête, quelle que soit sa forme, est là pour nous éloigner de l'essentiel. L'essentiel étant aimer Dieu et aimer notre prochain. Je pose donc, en ce temps de carême, plusieurs questions auxquelles je vous invite à réfléchir. Qui est-ce que je désire suivre dans ma vie? Qui est le chef de ma vie? Ce chef m'aide-t-il à vivre sur un chemin de bonheur, en harmonie avec la création? Ou me pousse-t-il à assouvir des désirs égoïstes et destructeurs pour moi et pour les autres? Est-ce qu'en vivant ainsi, je suis heureuse? Qui est le Dieu que je choisis de suivre? Un Dieu qui ne respecte rien ni personne? Ou un Dieu d'amour, de non-puissance et d'humilité? Passons maintenant à la deuxième bête. Elle a deux cornes et ressemble à un agneau. Elle parle comme un dragon et produit de grands signes en faisant descendre le feu sur la terre. Elle est au service de la première bête et fait tout pour que nous l'adorions. Je me demande bien qui cette deuxième bête pourrait représenter dans notre anti-trinité. Qui nous reste-t-il? L'Esprit. Il nous reste le Saint-Esprit. Alors pourquoi est-ce que je pose que cette deuxième bête pourrait être un anti-Saint-Esprit? Alors, tout comme le Saint-Esprit, cette deuxième bête est au service de la première. Le Saint-Esprit est au service de Jésus-Christ. La seconde bête est au service de la première. À la Pentecôte, nous avons le Saint-Esprit qui fait descendre des langues de feu sur la terre pour fortifier les disciples dans leur ministère. Et la deuxième bête, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait descendre le feu sur la terre pour impressionner ses habitants qui se prosternent devant la première bête. L'autre indice, on a mis du temps à le voir et heureusement on avait des traductions différentes de la Bible. Ce qui nous a permis de dire, ah, là on n'est pas d'accord sur le mot, moi j'ai un mot différent, ah bon t'as un mot différent, bah moi je vais aller voir dans le grec. Dans notre texte, on a entendu que la deuxième bête a le pouvoir d'animer l'image de la première. Et en grec, c'est le mot pneuma qui est utilisé et qui se traduit par souffle. Or, le souffle est la caractéristique principale du Saint-Esprit. Dans la Genèse, il nous est raconté que le souffle de Dieu passait sur la terre
Et pour pas mal de théologiens, cela représente l'Esprit Saint. C'est le souffle de Dieu qui anime les êtres humains, qui leur donne la vie. Et là, la deuxième bête anime une image, donc qui était morte et qui devient vivante. Et puis à la Pentecôte, bien sûr, dans le livre des Actes, c'est littéralement le souffle saint qui remplit les disciples. Alors que le souffle de la Pentecôte apporte la diversité du langage, le souffle de la deuxième bête force à une uniformité de pensée et d'action. Vous l'avez compris, cet anti-Saint-Esprit, tout comme l'anti-Jésus, n'est pas sympathique. Elle oblige les êtres humains à n'avoir qu'une seule pensée. Elle tue tous ceux qui s'opposent à la première bête et qui désirent suivre un autre chemin. Elle impose à l'humanité la fameuse marque 666 sur la main droite et sur le front de chaque être. Sans cette marque, impossible d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Impossibilité donc de se nourrir et donc impossibilité de vivre. Alors, nous avons une marque sur notre main droite et sur le front. La main droite, c'est la main de l'action. C'est la main avec laquelle on fait des choses. C'est la main avec laquelle on met en pratique ce qu'on a pensé. Et le front, c'est le siège de notre intelligence, le siège de la pensée. Et donc, avoir une marque sur la main droite et sur le front, ça signifie que nous adhérons entièrement dans nos actions de tous les jours, et aussi intellectuellement dans notre façon de voir le monde, à la signification de cette marque. Nous adhérons corps et âme à la signification du 666. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce 666? Alors, il y a plein de personnes qui s'amusent à interpréter ce chiffre. Tout à l'heure, à Saint-Marc, au culte, une personne m'a fait remarquer que pour certains croyants, le 666, ça représentait le 6, donc qui est le... Salut, j'ai un trou de mémoire. Les hébraïsants, aidez-moi, c'est la combienième lettre de l'alphabet? C'est le bas, c'est ça? Bref, c'est le W. Et que du coup, mettre trois fois un W, ça faisait WW, HTTP. et que donc, du coup, ça symbolisait Internet. Il y en a d'autres qui pensent que c'est l'électronique, qu'on va nous insérer une puce dans la main ou dans l'esprit pour nous contrôler. Et donc certaines personnes s'attachent à mettre des choses concrètes derrière ce symbole. Sauf que ce symbole est un symbole. Et donc il est beaucoup plus large que quelque chose de concret. Je pense que ce symbole... Attendez, j'ai perdu ma ligne. Oui, si on reste dans l'hypothèse de l'antitrinité, cette marque 666 pourrait symboliser l'éloignement de l'être humain à Dieu. Parce qu'on nous dit que ce 666, c'est un chiffre humain. 7, on sait que c'est la totalité, c'est la perfection. Et qui est parfait sinon Dieu? On nous dit souvent que Dieu est un, et on m'a fait remarquer aussi tout à l'heure à Saint-Marc, Dieu est un, mais il a fait un en 7. Il nous a fait une semaine en 7 jours. Et donc, je pars du postulat que le chiffre 7 représente la perfection et donc Dieu, que le chiffre 6, c'est l'humanité, c'est écrit dans le texte. Et donc, que mettre un 6 plus un 6 plus un 6, et on pourrait rajouter un autre 6, un autre 6, un autre 6, un autre 6, ce serait le désir de l'être humain de nous rapprocher de Dieu, de prendre la place de Dieu, de faire comme Dieu, sans y arriver. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas?
Parce qu'on aura beau cumuler 10 milliards de 6, et ben ça fera jamais 7. Parce qu'un 6, par essence, c'est différent d'un 7. Donc, cette marque 666, symboliquement, nous dit le désir de la seconde bête de prendre la place de Dieu, de se prendre pour Dieu. Et donc, lorsque les êtres humains affichent cette marque sur la main droite et sur le front, ils disent haut et fort qu'ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie. En ce temps de carême, je crois qu'il est bon de se demander qui est-ce que j'écoute ? En qui est-ce que je place ma foi ? Ce qu'on veut me faire croire, est-ce en accord avec mes principes ? La personne, la pensée à laquelle on me demande d'adhérer, cherche-t-elle à discriminer ou à venir en aide à l'humanité ? Est-ce qu'il m'arrive que je fasse comme tout le monde pour ne pas être pointé du doigt ? Quelle marque est-ce que je choisis de porter et pourquoi ? Le souffle qui m'anime, d'où vient-il ? Et qui sert-il ? Je conclus. Ce chapitre 13 de l'Apocalypse est terrifiant parce qu'il nous place face à un choix radical et qu'on n'aime pas trop la radicalité à notre époque. Dans ce texte, il n'y a pas de demi-mesure. Servir Dieu, c'est accepter jusqu'au bout, jusqu'à la mort, les conséquences de ce choix. Et le carême nous met dans la perspective de Pâques. Le carême, c'est notre désert. Tout comme Jésus fut tenté au désert de se prendre pour Dieu, nous aussi, nous sommes tentés. Jésus a fait un choix. Il a accepté la non-puissance, la confiance en Dieu et l'amour sans limite. Il a accepté que cela le mène jusqu'à la croix s'il le fallait. À nous de faire notre choix. Nous devons faire notre choix en nous rappelant que sans le choix radical de Jésus, il n'y aurait pas de résurrection. Nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas de résurrection sans passer d'abord par la croix. Nous devons nous rappeler qu'être disciple du Christ consiste à marcher dans ses pas, à choisir de porter sa marque dans nos actions et dans notre pensée, dans tous les aspects de notre vie, corps et âme. En ce temps de carême, nous sommes invités à choisir à nouveau le Christ en refusant tout ce qui s'apparente, de près ou d'un peu plus loin, à l'une des bêtes du chapitre 13. Amen.
nous invite à la prière. Je crois en un Dieu, Père, dont la parole soutient la vie des êtres humains et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie en Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois en la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois en la résurrection, dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Seigneur, afin d'arrêter l'effusion de sang dans les conflits qui nous sont exposés dans les médias, que ce soit entre Israël et le Hamas, ou avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis maintenant 2 ans. Mais nous te demandons aussi d'être attentif aux autres conflits de ce monde, oubliés des médias. Nous te prions pour tous ceux qui sont affectés par ces guerres. Nous te prions, Seigneur, afin de guider les dirigeants et les décideurs de ce monde en leur accordant la sagesse et le courage de rechercher des solutions pacifiques, durables, qu'ils donnent la priorité à l'unité, à la compréhension et au dialogue, pour mettre fin à ces conflits et non aux intérêts purement économiques, stratégiques ou politiques. Et qu'à l'image de ces hommes évoqués cette semaine,
que ce soit Alexis Navalny ou Missak Manoukian, qui ont eu le courage de s'opposer aux forces du mal, nous puissions, Seigneur, trouver le courage de dire nous aussi non aux situations qui sont source de mort, que ces situations soient locales, nationales ou mondiales. Nous te prions de nous donner force, détermination et courage d'agir et de ne pas simplement prier, d'être plutôt que simplement espérer. Donne-nous la grâce, en ce temps de carême, de nous placer dans une dynamique de conversion qui permette à chacun de trouver son chemin de paix avec lui-même, avec les autres et avec le vivant. Amen. Nous prenons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Et une voix survint des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Aussitôt, l'esprit le chassa au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Dieu notre parent vous bénit et vous garde. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Il sera auprès de vous à chaque instant de votre vie. Il vous suffit de lui ouvrir la porte de votre cœur. Jésus, notre frère, vous bénit et vous garde. Vous êtes ses amis. Il a tracé pour vous la voie d'une vie en Dieu. Il vous suffit de le suivre. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Vous êtes sous sa protection. Elle vous donnera la force d'aller jusqu'au bout. Il vous suffit de l'écouter. Allez, soyez disciples du Christ par vos actes et vos pensées, corps et âme.